Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est le cheval pur sang. Le monarque marocain Mohamed VI qui est considéré comme un fond du cheval pur. Son tas et il porte une attention particulière à hériter de la jument impériale mais Charles de son père feu le roi Hassan II et dès que le nom de cette jument est mentionné parmi les éleveurs de chevaux arabes et ceux qui s'intéressent à eux ils ne parlent que de sa beauté et son élégance me charge a acquis une renommée internationale après avoir remporté le titre de plus beau poulain de l'univers en 1993 après quoi, il est devenu un symbole du cheval arabe de race pure au royaume du Maroc et ça. Progéniture est recherchée par tous les éleveurs de chevaux du monde et son prix est monté à des milliards de dirhams sur le marché marocain. Le Maroc comprend plusieurs races de chevaux dont le cheval pur sera le cheval berbère, l'hybride entre l'arabe et le berbère, le cheval anglais de race pure et son hybride et les chevaux de sport et chaque variété a des ingrédients comme on ne trouve pas dans les autres en cheval arabe. Il est le seul capable d'améliorer les caractéristiques du reste des autres espèces des races tout comme la famille royale marocaine attache une grande importance à l'élevage de chevaux arabes de race pure. Les Marocains n'hésitent pas à lui avouer leur amour, c'est un héritage qui remonte à des milliers d'années après l'entrée de la conquête islamique au Maroc. Le prix d'un cheval au Maroc commence à partir de 40 000 dirhams et peut dépasser 2 millions de dirhams quand on chevaux qui se dirige vers le palais royal et VRD Richard. Le prix est bien plus élevé pour les amoureux du cheval arabe de race pure et ses éleveurs au Maroc. Cette jument est inestimable car sa beauté et sa valeur dépassent les quantités qui peuvent être déterminées par le marché. La plupart des éleveurs rejettent la logique de profit de l'élevage de chevaux. La plupart d'entre eux ont dit quiconque veut gagner de l'argent en élevant des chevaux doit élever des vaches. Plutôt les éleveurs de chevaux marocains ont initié la création d'une association pour laquelle ils ont choisi le LAN, Association marocaine des éleveurs de chevaux arabes pour encourager leur élevage et améliorer leur race. L'association a commencé à organiser des compétitions dans lesquelles les éleveurs et les agriculteurs exposaient leurs chevaux et poneys affichant la beauté et l'élégance de leurs chevaux et à la fin des matchs ils bénéficient de prêts financiers qui les aident à couvrir certaines dépenses quotidiennes des chevaux telles que le forage ou la surveillance médicale. Association des éleveurs du cheval s'emploie à organiser des sessions spéciales pour le salon annuel du cheval arabe, après avoir fini par s'appuyer sur des chevaux arabes de race pure pour représenter le Maroc dans des événements sportifs et culturels internationaux comme dans des pays avec des éleveurs de chevaux de renommée mondiale tels que les Émirats arabes unis, Arabie saoudite, le Qatar et d'autres. La plupart des éleveurs trouvent également un plaisir inégal à participer aux nombreuses compétitions qui ont désormais connu dans tout le pays, soit en choisissant le cheval le plus beau ou le plus rapide. L'association marocaine des éleveurs de chevaux organise deux compétitions pour le roi du chameau, du poulain moins de 3 ans et les chevaux à partir de 4 ans. La course est soumise aux normes internationales. Les concurrents tiennent à monter la beauté du cheval dont la tête doit être petit et les yeux écarquillés, la longueur du cou, sa solidité, sens d'ol tendu et d'autres éléments sont également pris en compte. La valeur des prix du concours pour le vainqueur du titre du club au cheval pur sang arabe varie de 8000 dirhams à 15000 dirhams à titre de prime d'encouragement grâce au cheval arabe. Le Maroc a participé à plusieurs festivals nationaux et internationaux tels que le Festival international du cheval de Meknès, la foire internationale de Nîmes, Saint-Étienne, France. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant le bouton de la cloche et merci.